Salut tout le monde, c'est Artsoft, on se retrouve pour le premier épisode de Let's Play Retro sur Metaslug 1. Donc on va commencer. Tout d'abord, je vais m'excuser pour le retard. Ça, je commence à triper tout seul. Je vais m'excuser pour le retard. En fait, j'ai commencé à faire le Let's Play samedi. Je recorde deux fois. Une fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois j'ai enregistré mais j'ai oublié d'enregistrer ma voix. Donc là j'espère que ça va bien se passer. Parce que je sens que je vais encore me louper. Je vais pas vérifier si ça enregistre le son. Désolé, je parle pas trop fort parce que là il est 23h23. Faut en faire un bref, on s'en bat les couilles. Donc on se retrouve sur Metaslug 1, un jeu qui est sur Neo Geo. Et sorti en 96. Voilà, donc là je vais sûrement avoir la voix endormie. Je vais faire ça en vitesse juste pour savoir si le concept vous plaît. Là je fais juste les deux premiers niveaux juste pour voir si ça vous plaît. Franchement je vais pas faire une grosse vidéo de je sais pas 20-30 minutes. Donc voilà, pour toutes les personnes aussi qui attendaient Tomb Raider 1, voilà j'y arrive. Je suis désolé, j'ai essayé de record tout avec le PVR mais apparemment ça bug. Je sais pas, toutes les vidéos qui font plus de 30 minutes ou je sais pas, ça a dû bugger. Franchement je sais pas du tout ce qui s'est passé. À chaque fois ça veut pas me le prendre en compte, donc voilà, tant pis. On va rester comme ça, on va faire Metaslug, c'est pas trop long. En 5-6 épisodes je pense que c'est bouclé. Donc voilà. Donc pour ce qui est de l'histoire, j'ai pas vraiment étudié la chose, malgré le fait que ça doit faire 10, attends j'ai quel âge, 18 ans, ouais ça fait plus de 10 ans que je joue à ce jeu. Franchement, je l'ai fumé ce jeu. Le nombre de fois que je l'ai fini, entre le 1, le 2, le 3, maintenant je sais qu'il y a le 4, le 5, le 6, le Metaslug X, donc ça en fait beaucoup. Et dans celui-là je crois pas qu'il y ait des zombies et tout. Dans le Metaslug 2 il y a des monstres tout le bordel. Et dans celui-là, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose. Ça doit être que des humains. Donc voilà, là on arrive sur le premier boss du niveau 1. Quoi, sur le premier boss de la partie du let's play. Il n'est pas compliqué à battre. Pour les personnes qui se demandent sur quoi je joue, je suis sur émulateur sur mon PC. Et je fais ça rapide. Désolé, c'est juste pour voir si cette concept vous plaît. Franchement. Les prochains épisodes ils seront largement mieux, je serai plus dynamique. Hop, là, il va tirer, je l'esquive avec le tanker. Et voilà, déjà le premier boss fumé. Et là je ramasse les rocket banjo. Donc voilà, épisode 1, mission 1 terminée, on va faire la deuxième pour quand même avancer dans le let's play. Et voilà. Là j'ai un petit peu parlé vite, j'ai tout déballé, je crois pas. En fait je crois. Franchement je me rends pas compte là de ce que je dis. Je dois sûrement dire de la merde parce que à l'heure qu'il est j'ai la tête dans le cul et tout. J'avais vraiment envie de faire une vidéo. Donc tant pis. Tant pis pour vous hein, si ça vous plaît pas. Je ferai mieux. Putain j'ai pété là-bas. C'est quoi ça, la boussole? Ah putain je peux tirer dessus. Tu fais quoi toi? Boum. Boum. Ce qui est appréciable aussi c'est le fait de tuer les ennemis en une balle. Merde allez, toi tu es qui. Ouf. Les tacs, je passe juste au moment là. Donc si ça vous plaît je continuerai à faire sur Metaslug 2,
Peut-être le 3. Après 4, 5, 6, je sais plus. C'est plus trop dans la suite. Et sinon pour ce qui est. Ouf. D'ailleurs, une balle en mur. Là, on prend une balle dans la tête, c'est fini. Là, direct. Pour ce qui est de l'histoire, je crois qu'on combat une caricature de Saddam Hussein. Bon, en même temps, ils n'avaient pas le droit de mettre. Attendez. Ils n'avaient pas le droit de mettre des vrais noms, mais. Ouais, des petits trucs comme ça, c'est pas mal. Ouais. Ouais, gros. Bon, attendez, je vais me concentrer vite fait. Sinon je vais pas parler des commandes, bon c'est pas bien compliqué hein. On va quand même y voir, donc un bouton pour sauter, un bouton pour lancer des grenades, et un bouton pour tirer, voilà. D'ailleurs j'ai fumé. Les grenades qui sont très utiles. Le bateau, 4 grenades, 5 grenades, 6 grenades, 7 grenades, et on le fume. Allez, on fume quand même. A noter qu'il y a une petite touche d'humour dans ce jeu, c'est ça qui me plaît. Attendez, voilà. Touche d'humour, c'est franchement sympathique. Mais en fait là c'est bizarre parce que on combat un bon, l'histoire est bizarre, non c'est pas bizarre mais on combat une caricature de Saddam Hussein et on a l'impression de se battre contre des nazis parce que vous verrez que en plus c'est des petits symboles nazis mais c'est juste une croix quoi. Et je vais crever quoi. Ah ouais, on fout de toute façon le flingue, c'est ce qui va le mieux. Allez tiens, prends ça, toi. Donc voilà, je vous ai fait une très brève présentation quand même, mais franchement je vous le dis, ça ira. Prochain épisode, ça ira largement mieux. Ah petit space 12. Bon, space 12 du Japon, mais. Non, space 12 quoi, t'inquiète. Enfin voilà. Franchement là, je suis sûr que vous vous dites, putain l'outil il a une bonne merde, là, il est en train de. Il est super fatigué, mais franchement je voulais la faire la vidéo donc. Donc voilà, désolé pour le premier épisode, ça doit pas être top. Alors là, on va voir un petit bus qui va arriver. Wesh, tu descends ou... Eh Manu, tu descends ou... Quoi faire? Enfin... Vas-y, je vais pas commencer à raconter de la merde, parce que je suis fatigué là. J'ai pas trop la tête à rigoler pour de la merde. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, pour les personnes qui connaissent Ronaldinho... Alors quoi, Rony, c'est la personne qui fait... les vides... Oh le bâtard. La personne qui fait des vidéos sur FIFA et tout, il a changé de chaîne, donc si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à aller sur sa nouvelle chaîne, qui est RonnyHD, RonnyR... Merde, oh le bâtard, voilà, ça y est, je parle, tac, petite balle dans le trou de balle. Qui est, je sais plus ce que je disais, ah oui, il a... Oh, on meurt facilement dans le jeu. Bon, je vais peut-être arriver à donner l'adresse de Ronny. Donc RonnyHD, mais sauf que le O, en fait, vous le remplacez par... par un 0, puis voilà. De toute façon je vais mettre le lien dans la description, puis juste une petite annotation comme ça, vous aurez juste à cliquer et ça vous enverra directement dessus. Voilà. Allez toi ramasse. Oh, ça les découpe les gugus. Quand je leur tire une. C'est dégueulasse. Oh j'ai triple. Vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, revenez en arrière et regardez. La petite triple. Là il fait quoi là? Vas-y vraiment toi. Wesh. C'est pas ça. Ah oui, on va arriver au boss déjà. Ça a dû être la fin du let's play, mais c'était juste une petite vidéo rapide hein, donc vous inquiétez pas, la prochaine fois il y aura plus d'énergie. Enfin je vous dis ça après le boss parce que faut se concentrer, là c'est pas un boss qui rigole. Ouais, j'aurais pas dû rester à côté du missile franchement. Oh le gars il est fou. Ah. Vous avez vu quand même une balle en crève, parce que j'ai vie limitée. Donc vous pouvez voir en bas à droite, c'est les crédits, donc oui c'est sur Neo Geo le jeu normalement à la base, donc normalement faut mettre des pièces, tu payes, et tu pètes ton jeu quoi. Mais bon généralement à mon avis tu mets, je sais pas, à l'époque ils mettaient quoi, c'était des francs. Oh le gars, hey, j'étais à l'abri là. À l'époque c'est, on va dire, je sais pas, tu mets 2 francs, t'avais 2 crédits, tu finissais pas le niveau 1 quoi, fallait lâcher toute ta maille pour faire le jeu. Là, vous pouvez voir, j'ai quand même, je sais pas combien j'ai usé de crédit, mais j'en ai quand même usé ouais, je pense 5-6, j'ai pas compté, mais ouais j'ai quand même dû en user bien 5 facile, donc on va dire que ça fait 5 francs pour faire 2 niveaux. Je crois qu'il y a une dizaine de niveaux,
Donc 5 francs, ouais, ça doit être 50 francs, ça fait mal au trouble. Quoique non, en fait ça fait 7 euros. Ouais, ça fait chier quand même de lâcher 7 euros dans un jeu, comment? Dans un jeu que tu joues dans un bar, enfin voilà. Donc les amis, la vidéo a été très rapide, je suis désolé. J'ai été très bref, j'ai la petite voix endormie, il est tard. Quoi, il est tard? Non, c'est pas trop tard, mais je suis fatigué quand même. Donc, je bosse pas, mais je suis en stage et tout. Donc voilà. Donc la prochaine fois, on se retrouve sur la troisième mission. Donc les copains, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, comme disent les pros. Prenez soin de vous et moi je dis, buvez pas trop. Tchuss. L'alcool, c'est dangereux pour la santé. Ah, ça c'était pourri, j'aurais pas dû dire ça. Allez, on se sent pas les steaks. Allez, attendez, je tue celui-là et c'est la fin de la vidéo. Boum.